Bienvenue dans ce numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous allons explorer une initiative inspirante née au cœur du Grand Ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Cette région regorge de jeunes talents dynamiques aux idées novatrices et l'organisation dont nous allons parler incarne cet esprit communautaire. Nous sommes donc heureux d'accueillir sur ce plateau Landry Bornier. Il est président de l'organisation JUDOM, Jeunesse Unie pour le Développement du District des Montagnes. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, Monsieur Bornier, des jeunes du district de l'Ouest montagneux réunis au sein d'une organisation dénommée JUDOM, Jeunesse Unie pour le Développement du District des Montagnes. Alors, quel est l'objectif derrière la création de cette organisation? Je voulais déjà vous dire merci. Merci de nous donner l'occasion de donner de plus amples informations sur notre organisation, qui n'est rien d'autre qu'une fêtière. Un conglomérat de jeunesse, à la fois autochtone, allogène et alloctone. Tout ça dans le but, je veux dire, d'apporter des éléments de réponse quant à la question du développement de notre district. Donc la JUDOM, entendez par la Jeunesse Unie pour le Développement du District Autonome des Montagnes. Mmh. Comme bien d'autres organisations, nos objectifs sont légion, la promotion de nos valeurs culturelles, les valeurs culturelles dans, les valeurs culturelles ouais. La promotion aussi de l'excellence en milieu universitaire, en milieu scolaire, la promotion de tout ce qui rime avec la cohésion et la reconstitution du tissu social dans notre région. Donc, de façon ramassée, voici un peu les objectifs, je veux dire, qui minent notre organisation. Mmh. Alors, en tant que natif hein, du Grand Ouest montagneux, vous l'avez dit, cette association a été créée dans le but de répondre à des besoins. Mais justement, quels sont les différents défis auxquels sont confrontés les jeunes, justement, de votre région? Je voulais vous dire merci. Déjà, il faut parler de l'auto-insertion, parce que l'État, sinon le gouvernement, ne peut pas insérer tout le monde. Et donc il faut répondre à la question de l'auto-insertion pour, je vais dire, une dépendance de la jeunesse, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Donc, il faut encourager l'auto-insertion à travers le financement des projets, tant dans le domaine de l'agriculture que dans le domaine de l'élevage, parce qu'aujourd'hui, il faut dire, avec l'explosion démographique, nous avons une forte dépendance en termes de protéines animales et de protéines végétales. Donc, il faut orienter la jeunesse dans ce sens-là. Donc, l'auto-insertion de la jeunesse en finançant des projets qui, je veux dire, répondent aux besoins du milieu. Voilà. Et donc c'est l'un de nos objectifs phares. Donc, permettre aussi à l'agence féminine de ne pas, je veux dire, aller vers le vieux métier qui, voilà, les vieux métiers, entendez par là déjà la prostitution, et permettre à toute cette jeunesse féminine-là, je vais dire, de dépendre et de contribuer au développement, je vais dire, de notre district. Mmh. Donc, l'auto-insertion de la jeunesse. Et aussi, et encourager aussi tous ces jeunes qui empruntent le chemin de la formation et de l'éducation au niveau des universités. Et donc, c'est un peu tout ce ramassé-là que nous avons comme objectif. Voilà. Alors, vous l'avez dit dans vos propos que cette organisation vient répondre aux besoins dont font face les jeunes de votre région, mais justement, quels sont les projets ou initiatives que vous avez mis en place pour y parvenir? En ce qui concerne les projets, sinon le projet initial, le projet en cours, et il est question de doter les étudiants du dit district en termes de moyens de déplacement, parce que vous savez, tout récemment, nous avons connu l'embellissement de la ville d'Abidjan et bien d'autres. Et donc, il est question de doter ces étudiants-là en termes de moyens de déplacement, gratuitement, bien évidemment, et de souches de restauration pour leur permettre de vaquer librement à leur activité académique. Bon nombre d'étudiants aujourd'hui, dans le souci de valider les années académiques, restent sur l'espace universitaire de peur de rester en retard à tout moment. C'est ça.
dans les différents cours, dans les amphithéâtres. Donc, le gouverneur aujourd'hui initie le projet de dotation en termes de moyens de déplacement. Donc, c'est pratiquement 3000 étudiants à qui nous comptons offrir, de par le conseil du district des montagnes, des moyens de déplacement, des cadres de bus et des souches de tickets de restauration ici à Abidjan, à Boaké et à Daloa. Donc, c'est une dotation en termes de moyens de déplacement et de souches de tickets de restauration pour permettre à, je vais dire, cette frange de la jeunesse, qui est la jeunesse estudiantine, de vaquer librement à, je vais dire, leur occupation académique. Si nous réussissons à enlever sur, je vais dire, le dos de ces étudiants le fardeau du transport et de la nourriture, je pense que la formation et l'éducation sera à son zénith. Donc, c'est cette activité-là que nous avons en cours actuellement. D'accord, très bien. Voilà. Cette activité, elle est en cours, mais quels sont les différents bénéficiaires en ce moment? Ce sont des étudiants, ils sont au nombre de 3000. 3000 sur tout l'étendue. 3000 sur tout l'étendue. Sur tout l'étendue du territoire ivoirien pour le lancement. Nous en aurons au fur et à mesure que nous avancerons dans le temps. Et comment se fait la sélection de ces personnes? Comme j'ai dit, ce sont des étudiants qui sont en situation d'extrême difficulté. D'accord. Qui ont déjà sollicité, je veux dire, nos autorités, par notre autruchement. Et donc, nous avons relayé l'information à qui des droits. Et donc, le gouverneur de notre district des montagnes, qui aujourd'hui a été sensible à, je veux dire, à cette sollicitation, a bien voulu répondre avec son conseil. Et donc, c'est pratiquement le samedi 13 avril 2024, au sein de l'Université Félix Houphouët-Boigny, précisément à l'amphi A du district, que le lancement de ce projet-là se fera. Donc, je rappelais que c'était 3000 étudiants déjà que nous avons enregistrés qui vont en bénéficier, tant en termes de moyens de déplacement, en termes de cadres de bus et en termes de souches de tickets de restauration. Vous aviez également abordé la question de la formation. C'est une formation généralisée ou axée sur différents types de métiers? Oui, la formation, c'est à tous les niveaux. Mais déjà, nous jetons notre dévolu sur ce qu'on appelle la production de la protéine animale, sur l'élevage. L'élevage et la production de la protéine végétale sur l'agriculture. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous avons une population qui atteint, je veux dire, une explosion démographique. Donc, il va bien s'en dire qu'elle doit se nourrir. Voilà, elle doit utiliser de la viande. Et donc, il faille que ces jeunes-là puissent produire, je veux dire, cette viande-là. Donc, il faut les former en termes d'élevage de tout genre et sur l'agriculture aussi de tout genre. Alors, on l'a dit, hein, c'est une organisation créée par des jeunes et pour les jeunes du district montagneux. Alors, pour un jeune de cette région qui souhaite donc avoir accès à cette organisation, pouvoir intégrer, quel serait son apport au sein de cette organisation et quelles seraient, je vais dire, les différentes opportunités que l'organisation offre? C'est vrai qu'on a parlé de formation, mais est-ce qu'il y a d'autres opportunités aussi? Oui, vous savez, pour un jeune qui est résident dans le district des montagnes, la meilleure manière pour nous de ne pas permettre à ce jeune-là de se sentir lésé, c'est déjà le récupérer, l'intégrer à la structure et lui permettre de bénéficier d'un certain nombre de choses. Comme j'ai déjà dit tantôt, dans les propos liminaires, il faut l'éduquer, il faut le former et après l'installer. Voilà. D'accord. Et donc, cette installation-là, le plus souvent, dépend de nos collectivités territoriales. En l'occurrence, du conseil du district autonome des montagnes et qui en fait, je vais dire, un cheval de bataille. Justement, est-ce que vous avez le soutien des différentes autorités locales? Bien évidemment, là-bas? Bien évidemment. Je viens à peine de citer cette institution qui a été mis sur pied par le chef de l'État, son excellence le président Alassane Ouattara. Et en ce qui nous concerne, nous, district autonome des montagnes, nous sommes chapeautés par le ministre-gouverneur Albert Flindé, qui aujourd'hui prend à bras le corps la question d'éducation, de la formation et d'insertion, sinon de l'auto-insertion du jeune. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est une aubaine pour tous les jeunes aujourd'hui du district des montagnes, parce que déjà, il a commencé avec un certain nombre de projets, hein, tant dans le domaine de l'élevage
dans le domaine de l'agriculture. Ouais, donc il faut enregistrer tous ces jeunes-là dans le milieu rural pour déjà voir, dans un premier temps, s'ils ont un certain nombre de formations, si c'est une technique culturelle, tant dans le domaine du maraîcher que dans les cultures qui sont pérennes, et aussi dans le domaine de l'élevage. Donc c'est une aubaine pour un jeune d'adhérer à cette structure qui est la jeunesse du district autonome des montagnes. Alors, en tant que président de JUDOM, quelle est votre vision à long terme pour cette organisation? Comment est-ce que vous la voyez plus tard? En tant que jeune, en tant qu'étudiant, je me dis que la jeunesse doit contribuer au développement du district. Et donc, il faut une jeunesse vraiment responsable, formée, pour apporter. Voilà. Et donc, notre objectif à court terme, c'est d'axer notre dévolu sur la formation. C'est d'axer notre dévolu sur l'insertion de la jeunesse. Pour que cette jeunesse-là apporte. Pour qu'elle ne soit pas trop dépendante, hein, je vais dire, de nos autorités. Il faut l'occuper. Et donc, nous axons notre dévolu vraiment sur l'occupation de cette jeunesse-là. Voilà. Il faille d'abord au préalable qu'elle soit formée, qu'elle soit instruite. Et après qu'on l'installe et l'insère dans le tissu social. Et à long terme, qu'est-ce que vous espérez? Bien évidemment, c'est un État qui sera développé, un district développé, donc un État développé. Très bien. Alors, nous sommes déjà presque au terme de cet entretien. Si vous aviez un message à lancer d'abord à la jeunesse de votre région et aux autorités locales, ce serait lequel? Le premier message, c'est de dire déjà à la jeunesse étudiantine de ne pas perdre espoir. Aujourd'hui, nombreux sont ceux, nos camarades, qui ont abdiqué, je vais dire, à la question de la formation académique pour des raisons liées, je vais dire, aux problèmes que nous rencontrons, je vais dire, ici à Abidjan et dans bien d'autres villes qui sont universitaires. Aujourd'hui, je vais leur dire que nous avons une lueur d'espoir et notre gouverneur du district nous tend la main. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il prévoit, sinon qu'il donne, qu'il met à la disposition de tous ces jeunes-là, je vais dire, un certain nombre d'instruments, dont leur dotation en termes de transport, en termes, je vais dire, de tickets, de souches de tickets de restauration. Pourquoi aujourd'hui, un étudiant qui est originaire du district des montagnes n'est pas, je vais dire, de problème en termes de transport? Donc, pendant toute l'année académique, il souhaite doter ces étudiants-là en termes de transport. Voilà. Et en termes de, je vais dire, de souches de tickets de restauration pour leur permettre de vaquer librement à tout ce qui est activité académique. Pour la jeunesse rurale, nous avons déjà un grand nombre de projets lancés et qui vont bientôt prendre forme. Donc, nous n'avons pas à perdre espoir, nous n'avons pas à baigner dans un certain nombre de choses qui ne vont pas honorer, je vais dire, notre district. Et donc, je voulais vous dire merci à vous. Profitez de votre entraîne pour dire merci au gouverneur du district autonome des montagnes, le docteur Albert Flindé, pour tous les efforts qu'il fait, qu'il consent pour le district. Et de par lui dire merci aussi au chef de l'État qui a vu juste en nommant à la tête de cette institution notre gouverneur. Je voulais vous dire merci. Merci à vous également, Monsieur Landry Bonnier. Merci d'avoir partagé avec nous ces informations précieuses sur cette organisation dynamique et engagée du Grand Ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, JUDOM. Et nous vous souhaitons plein succès dans vos futurs projets, également dans cet engagement envers le développement de votre région. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur www.cetteinfo.ci.